Aujourd'hui, Ramaçon n'est plus. Il était membre du premier gouvernement de Philibert Tyrannen en tant que ministre du Plan jusqu'à la chute de ce dernier en 1972. Émile Joseph Ramaçon fut d'abord directeur du cabinet de Jacques Rabbey-Mananzar, ministre de l'économie de l'époque, avant de faire partie du gouvernement de Tyrannen en tant que commissaire général à l'animation rurale avec rang de ministre. Le 26 juin 1960, Émile Ramaçon était le traducteur de la déclaration de l'indépendance à Mahamasne. En 1965, il fut le créateur du service civique, connu sous l'appellation de béret vert. Mais son parcours a commencé en 1958, en publiant le livre « Hadid, Itadid » à la création de la KFM en 1958, lors du 50e anniversaire du Grand Congrès de Touamasne. Son retour aux affaires politiques fut bref, mais remarquable, en 1991, en tant que force vive sur la place du 13 mai. Émile Ramaçon était au cours de la même année ministre des Affaires étrangères du gouvernement insurrectionnel de Zafi Albert, premier ministre à cette époque. Émile Ramaçon était le président fondateur de l'AIC FGKM d'Analakil en compagnie du général Roland Abetafk et cofondateur de la FFKM avec le cardinal Razaf Mahachach. Cette figure de la Première République s'était ensuite retirée de la scène politique pour son village natal d'Anjanvel Na Ilaf où il s'est éteint à 86 ans.